Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Watch Dog. Alors, on va aller chercher cette maudite mallette. Ok. Bon, je devrais peut-être pas courir. Ouah, si, allez. Ok. Bon. Alors je dois filer. Ah ouais, je dois filer le mec sans me faire repérer, c'est ça le concept? Ah bon, en fait il y avait un chemin alternatif ici. Ça me paraît tendu hein, quand même. Gru. Ah. Ok. Effectivement, il y a du monde. Alors je sais pas, je vais essayer la grue. Peut-être que j'aurai un peu de chance avec cette histoire. Filer. Sans me faire repérer. Oh, attention. Ah, par la porte ici. On va utiliser cette porte-ci. Il y a sûrement. Voilà, j'ai sûrement moyen de remonter là-haut. C'est impeccable. C'est quoi ça? Ok. Introduisez-vous dans la marina pour récupérer la mallette. Comment on sort de là? Ah, il y a une porte. Bah oui. Boom. Et 2A. Ok, bon. C'est là que ça commence à se compliquer. Avec la musique bien stressante. Allez, hop. Sans vous faire repérer, j'ai dit ah ah. Ah ah ah. Bon, sans se faire repérer, je crois que c'était ce qu'ils avaient dit. Allez, voilà, ta tête. Mais j'ai même pas eu la tête, c'est cruel. Bon, ça c'est. C'est dommage, j'aurais voulu la jouer infiltration pour une fois. Ok. Alors. Hop, on va passer la rambarde. On va la jouer à la GTA style. Non, pas d'usi, pas d'usi, c'est pas. C'est pas fair play. T'es où toi? Voilà. Encore dans la tête. Non, pas recharger maintenant. Please. Ouah, j'ai eu de la chance. J'avoue. AK-47. Bon, on n'utilise plus ça de nos jours. Une arme russe. Qui s'enraye jamais? Ben non. Ah, ça prend des photos, on dirait. Puis si je pouvais avoir les médicaments qui sont juste à côté, ce serait bien. Je vais t'envoyer la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Bon, il te faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Ah. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Voilà. Ping. Lol. Tu peux te faire passer pour un monsieur Ping. Non, je pense pas. Y a pas un Européen? Nicolas Crespin. 32 ans, américain expatrié. N'est pas revenu depuis 12 ans. Bah voilà. Voilà. Oh la vache. Y a une liste de ses préférences. C'est un malade ce mec. Et blindé de pognon. Eh ben il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Clara, si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Ah. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Non, ça va. Cette ordure manquera à personne. C'est lui qu'il nous faut. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok, je vais l'attendre là-bas. Encore un plan à la 642. Scan City OS, merci. Ok, encore un niveau. On va faire ça. Oh, 5. Ouais, bon. Dans les objets fabriqués, j'ai droit à quoi?
Boost focus, ça m'intéresse pas. Scan CTOS. Ouais. Ah. Ça, c'est quand même sympa. Bon, je t'avais dit que j'étais pas trop intéressé, mais finalement, un scan CTOS permet de marquer tous les ennemis dans la zone. Je prends ça. Bon, on va quitter la marina pour une autre. Ah non, pour, carrément pour un centre CTOS. Alors là, on va encore une fois attaquer dans du lourd. Concessionnaire est à Mad Mile. Je dois d'abord pirater le centre de contrôle du district. Mais c'est, ça a rien à voir avec le plaisir, hein, de pirater. Non, non. Peut-être dû utiliser le TP ou. En fait, ça va m'ennuyer de sauter ici. Parce qu'avec la chance que j'ai, je vais pas pouvoir remonter. Voilà, on y est. Je m'y attendais. Faut une échelle. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. T'es pas censé me voir. Voilà, ok. On va y chercher une voiture, mais on va attendre d'aborder plus loin sur la rue. Sinon, il risque de larguer la voiture quand même sur la rue ou dans la marina. Je crois pas que c'est possible, mais bon. Ah, voilà. On va prendre une bagnole. Non. J'ai combien de sous ici dans cette histoire? On voit pas. Ah, si, 8000. Ouais, donc en fait, je pourrais craquer mes 8000 pour acheter la voiture. Non, pas trop. Alors, des motos. Des muscle cars, des sportives. Ok. Économique. MDR. Mais je vais pas prendre une économique, hein. C'est juste un sketch, ce machin. T'as tout préparé. Ah. Super. J'aurais adoré avoir ma voiture, vous savez, là où j'ai demandé en fait. Quoi, t'essayes de te cacher? Oh. Mettez-vous à couvert. Putain de merde. Tiens, je t'ai fait un beau trou. J'ai rien fait de spécial, mais. Ah. Oh non. Allô, j'entends des coups de feu. Faut se barrer, fils, ça, ici. Oh, oh, j'aurais pas dû le tuer. Bon, soit. Vite, vite, vite. Faut quitter la zone. Je vais me faire gauler, hein. Oh, aïe, 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 aïe. Bah, voilà. Bon, super. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon. On va commencer avec un. Avec un. Une petite poursuite. Ah ouais, la voiture elle est derrière, j'aurais dû me cacher. Ouais. On a perdu le suspect. Ouais. Un passage. À vous. Ok, merci. Vas-y. Ils vont me rattraper, hein. Faut que je me casse, faut que je me casse. Vite, 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 vite. Voilà. Oh oh. Peut-être éviter de tuer tout le monde aussi, hein, pendant la fuite. Alors, Mad Mile, ok. On l'a échappé belle, hein, avec nos conneries. Décaliser un garde, ok, bon, ça change pas. Enfin, ça change pas, si, en soi. On va prendre la barrière, ah, d'accord. Hein, par là. Tiens, un beau petit trou dans ta tête. Au fait, j'aime bien cette arme. Alors, c'est où le. Ah ouais, je dois juste avoir un garde d'accès. Un garde d'accès. Voilà. Alors. Tiens. Bon, je vais juste les abattre un par un et attendre que j'ai le fameux garde. Quel code d'accès. Voilà, je l'ai eu. Merci. Bon,
On va faire ça. Wow, il est pas commode lui. Faut rester concentré. On a un boulot à proposer. Y'a des preneurs? Bon, hop. On se fait dessus. On est en route. Wow, y'a du monde. Il y a deux secondes, genre il y avait personne. Et maintenant il y a full people. Oh ok. Ah, je suis mort. Aïe. C'était tendu ça. J'aurais espéré qu'il y avait personne derrière moi et j'aurais pu quand même aligner une paire de gants. Bon, soit. Est-ce que c'était mal joué? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un manque de chance? Peut-être. C'est tellement compliqué. Ouais, ça va et toi? Bien ou bien? Tac. Ah, grillé, ok. Stop. Non, pas stop. Il est touché, couvrez-moi. Y'a une ouverture, allez, grenade. Tu vois là, on peut se rapprocher, vas-y. J'ai une ouverture. Wow. Wow. Aïe, je fais nimp. Enfin, oui et non. Là, j'ai pas trouvé l'ouverture et surtout où me cacher en fait. Parce qu'il pouvait arriver de tous les côtés. Oui, j'ai compris. Donc j'ai pris un peu de risque, mais ça a pas payé. Malheureusement. Explique-moi comment un type... Voilà. Attends. Toi, boum. Voilà, bon. J'avoue. Là, maintenant il y a une ouverture, faut que je le chope avant qu'il passe. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Ah, il y a un mec là. Ça va être chaud, mais je peux passer. Oula. Ok. Je crois que j'ai un peu fait de bruit. Ouais. On va se cacher. Hein. C'est un... Hein ? J'aime pas ça. Si j'avais un deuxième truc pour faire exploser. Merde, faut faire quelque chose. Il nous faut de l'aide, maintenant. Super les mecs. Il est encore arrivé. Non, je dois recharger. Je suis mort. Je vais pas y arriver. Soit j'ajoute trop bourrin, ou pas assez. Je dirais pas assez. T'excuses pas surtout. Non, c'est pas ce que je comptais faire. Alors vas-y, on continue. On recommence une xème fois. Bon. Et si je faisais ça direct? Tiens, voilà. On va imposer son style direct. Oh. Et toi? Si on te faisait ta tête. Voilà. Au pire. Aïe. Oh, ils font mal. Appelez les autres. Merde, je m'en occupe. On est là. Vous avez besoin d'aide?
t'assure, ça c'est bon. Voilà. Allez. Il est où lui? Voilà. Et demain? C'est bien ce que je disais, j'étais pas assez bourrin. Alors attention. On va passer ici. Ah. Normalement c'est bon. Ok. Come on. Voilà. Oh là là, j'ai tiré comme une poule. Tiens, tire dans la tête. Une balle. Faut pas plus. Voilà. Et bien vous voyez. Vous voyez. Voilà. Je voulais dire voilà et vous voyez. Il faut pas faire grand chose. Juste être plus franc que les autres. Et avoir plus confiance. Goblin. Gobelin. Alors là on va regarder s'il n'y a pas quelque chose. Ah, j'aurais pu attirer quelque chose. Alors intrusion. C'est parti. Alors là, il va falloir m'expliquer ce qu'on veut de moi. Ah. Voilà. Effectivement, c'est chaud. Ok. À mon avis, oh là là, par là, ok, on va y arriver. Finalement, il y a des choses qu'on doit même pas, comment je vais dire, pirater ou débloquer dans le schéma en fait. Bah, je suppose, hein, mais ça va tellement vite que j'avoue que je comprends pas toujours tout. Ok. Combien de données le site iOS récupère-t-il? Où garde-t-il les infos? Et pour en faire quoi? Et on va faire ça. Je vais déverrouiller le site iOS. Ou l'accès, je suppose. Ok. Pirater le serveur, c'est fait. Madmile, accès au district débloqué, voilà. C'est fait. Autour de Crispin maintenant. On va aller chercher, oui, notre adversaire. Faiten, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. On va ranger notre arme. Elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Ouais. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. Ouais, j'aimerais bien, ouais. D'accord. Oh, la musique. Allez, bouge. J'ai un pick-up. Police. Oh, quelle mince. Quelle est la nature de votre urgence, s'il vous plaît? Dites aux flics de se dépêcher. On va tracer. Wow, on passe. Tout droit, c'est parti. Voilà. Oh, mince. Ils sont sérieux? Non, on va se mettre en dessous. Moi, je vais me faire gauler en Paris? Non, c'est pas possible. Si? Ah bah si, hein.
Bien joué. Bon bah, il est l'heure pour moi de me barrer. Wow, c'était tout juste. Faut que j'arrête de faire ça au dernier moment en fait. MDR. Je vais tout défoncer. Voilà. Ouais, bah écoute, si ça continue, tu vas me gauler. Il reste 20 secondes, mais ils vont me retrouver. Hein. Voilà, ouf. Ok, merci. Je préfère ça. Alors, on va aller chercher la station de métro. C'est demi-tour. On va faire demi-tour. Visite Chicago. Méfiez-vous des escrocs proposant des tours de passe-passe au coin des rues. La police conseille aux visiteurs de garder leur argent, même si... Est-ce que je devrais aller près de la police? Je sais pas si c'est le bon plan. Pour peu qu'on ait l'air. Je vais passer par là parce que j'ai pas trop envie. Ou alors je vais changer de voiture. On va pas se casser la tête. Et on va surtout pas prendre de risques. Oh. Voilà. J'imaginais, on recroise les flics et hop, recourse poursuite. Non. On m'a eu une fois, on m'aura pas deux fois. Et mais Fred. Enfin, Fred, arrête-toi le mec. Parce que moi, je comptais pas freiner. Hein. Enfin, si, j'ai quand même freiné par acquis de conscience. Un peu de New Wave. Je suppose. Hein. Je suis pas expert dans le domaine, mais ça... Ça a l'air un petit peu du Talk Talk, Duran Duran et compagnie. Un petit peu trop électro pour mon goût, mais... Alors, hop, hop, hop. Oh, oh, oh. Désolé, mec. Bien, on va faire la suite à pied. J'aurais dû faire le tour du bâtiment avec la voiture. Bon, ça m'apprendra. Je vais regarder quand même. Est-ce qu'on peut techniquement se... Ouais, utiliser la planque. Bon. Eh bien, c'est ici. Non, je vais quand même... Attendez, hein, je sais pas que ce que je vais faire, si je vais terminer l'épisode ici ou pas. On va lancer et puis je vais vous laisser. Comme ça, je vous laisse un petit peu sur un petit cliffhanger, maybe. Voilà. Boom. Merde. J'oublie toujours que Clara n'est pas habituée à tout ça. Je vais finir par l'effrayer si je fais pas attention. Crispin va me permettre d'accéder aux enchères, c'est ma seule chance d'approcher Irak. Mais pour ça, il doit disparaître. Pirater le terminal CityOS. Ok. Bon, on est juste à côté, on va le faire. Ah, il y a du monde. Évidemment. C'est trop exposé ici. Vaut mieux que je sois discret. Sans blague. Alors, on va le pirater ici. Ok, 15 secondes. MDR. Ça envoie du pâté direct, ça. Ah, ok, j'ai pas tout compris, mais c'était bien. Ah, ben voilà. Ça, c'est fait. Ok. Voilà, bon. Et après? Ouais. Si je fais ça, possiblement ça marche. Waouh, waouh, waouh. Oh, une belle voiture. Ah oui, effectivement, ouais. Effectivement, si vous voulez une voiture, elle est belle. Exotique et rapide.
Monsieur Quinn ne savait pas quelle couleur vous plairait, alors... vous choisissez. Maserati. C'est un peu trop voyant, la mauve, mais bon. Celle-là, d'accord, qu'elle soit prête à mon retour. Ah, carrément, bon. Une autre ode. Il doit avoir le planning ou quelque chose dans son téléphone. Je peux pas le laisser s'enfuir. J'ai entendu parler de cet enculé. Un gros pervers. Oui, il n'a pas besoin de fric. Pourquoi il peut s'associer avec cet arrêt? Mon ami, il peut servir de vie. Et plateforme. Éliminer Crispin, c'est qui Crispin? Neutraliser, d'accord. Et si je fais ça? Oh, c'est que ça. Super discret. Salut, discrétion. On m'appelle. Oh punaise. D'accord. Salut. T'as fait nappe. Il doit avoir le planning ou quelque chose dans son téléphone. Je peux pas le laisser s'enfuir. Olé. Non. Ok, bon. La question c'est où vais-je me mettre? Ah, j'ai rien. D'accord. Lui s'est barré comme un feuge. Ok, bon bah, soit elle est pour moi celle-là. Ok, bon, on va avoir un petit peu tout le monde. Oh, c'est quoi cette bagnole? Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas du tout. Oh, l'autre il m'a dépouillé. Oh, c'est quoi cette bagnole? Incontrôlable. Voilà. Wow. Dans le genre, j'ai visé partout, sauf sur lui. Voilà, c'est bon. Ouf. Pirater le téléphone. Voilà. Voilà. On va se barrer, hein, parce que ça sent la police à plein nez, ça. Voilà, bingo. Alors, il y a des coups de feu. Envoyez vite la police. On mettra votre invitation pour la vente aux enchères. Bon, l'avantage, c'est qu'elle est rapide celle-là. Apparemment, ce pervers de Crispin devait récupérer quelque chose dans le club Infinite 92. Il appelle ça le menu Poppy. Infinite 92. Pas de résultat officiel. On en parle dans quelques fils de discussion ici. Ah, donc c'est un club fétichiste pour messieurs. MDR. Bah ouais. Donc le menu Poppy, ce serait une femme. Ça collerait aux infos que Quinn avait sur Crispin. Je suis pas sûr que Poppy aurait survécu à la rencontre. C'est quoi exactement cette vente aux enchères? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Bon, je vais au club. L'invitation de Crispin est là-bas. Ouais. Là, je vais me faire gauler. Je suis en plein dedans. Faut que je sorte. Au revoir. Oh là là. Boum. Ok, bon, l'avantage c'est qu'on va vite. Wow. Je vais la défoncer la bagnole. Non. Bon, ouais, ça fait un peu burn-out en fait, hein. Qu'on soit d'accord. Voilà, je les ai semés normalement. Il devrait me laisser tranquille. Aïe, ça c'est pas une bonne idée. Attention patrouille, il se dirige droit vers vous. Non. Vas-y, sors de là. On
Oh. Normalement, il passe pas. Arrêtez, maintenant! Eh ben si. Oh. A besoin d'un accès au City OS. Il passe, hein. Quelqu'un a levé la herse. Arrêtez, rangez-vous! Bon, j'avoue que moi, mes systèmes de bande, c'est pas au point. Attention aux bornes! Mais j'aime bien. Voilà, bon. Une voiture un peu plus. Comment dire ? Faut que je sorte de la zone. Allez, hop. On traîne pas. Voilà. Voilà. C'est fait. On va se rendre au club. Et on va se laisser là donc. J'ai dur à quitter. Ce jeu me plaît vraiment. Boum, quelle idée. Doucement, t'emballe pas. Je suis à combien de mètres? 900 mètres, ok. Bon, faut y aller franco. Oh là, télé. Hop, je passe à gauche, je passe à droite. Je passe entre les deux. Un pilote, oh! Un pilote qui oublie sa route aussi parfois. Tuer des gens quand même, hein, s'il vous plaît. Allez, 400 mètres tout droit. Là, normalement, je devrais pas me tromper. Et je devrais pas tuer quelqu'un. À moins qu'il y en ait un qui traverse. Hein. Enfin, qui se met devant ma voiture, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ok, 100 mètres. Nous y sommes. Je crois que je vais rentrer ici directement. Voilà. Ok. Me voilà enfin. Pour le bal des monstres. Je reste concentré et je parle le moins possible. Si Crispin est aussi pervers que ça, je risque d'attirer l'attention. Je trouve l'invitation aux enchères et je me tire. Je me casse. Et c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. Merci, bye bye.